Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de Disney+. Vous savez à quel point je suis une grande passionnée de Disney+. J'ai la plateforme depuis novembre dernier, donc autant vous dire que j'ai pu découvrir plein de petites choses. Et j'avais envie de vous faire un rendez-vous, pas mensuel, mais un rendez-vous assez régulier où je vous partage mes dernières trouvailles, les derniers films que j'ai vus et ça me permet de vous parler de Disney dans son intégralité. Avant de commencer, juste une petite précision. J'ai un lien d'affiliation pour les personnes qui voudraient s'inscrire à Disney+. Ça ne coûte absolument rien de plus, ça me permet juste moi de faire vivre la chaîne. Donc si jamais vous avez envie de passer par là pour pouvoir me soutenir, et n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Bref, donc le premier film dont je voulais vous parler c'est Stargirl, donc qui est un Disney+ original qui est sorti il me semble en février ou début mars, je me souviens plus exactement. Donc c'est un film qui raconte l'histoire de Stargirl qui est donc une nouvelle arrivante dans une petite ville un peu paumée des États-Unis et en fait cette fille elle a une véritable magie du quotidien qui met beaucoup d'optimisme, de joie, etc. Et moi je l'ai trouvé absolument magique. Alors c'est un film sans prétention, clairement on n'est pas sur le film de l'année, mais il est très sympa, il est plein de bons sentiments. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la découverte de ce film aussi, donc je vous le recommande si vous avez envie de passer un chouette moment. Et il y a quelques petites musiques qui sont franchement pas mal du tout, puisque c'est un film musical, donc voilà. Et puisqu'on parle de musical, c'était pas du tout fait exprès. Tous les Feux de la Rampe que vous connaissez peut-être, c'est avec Kristen Bell, l'affiche que l'on peut voir donc du coup sur Disney+, et pourtant on la voit à peine, c'est-à-dire qu'elle présente une à deux lignes en tout début d'épisode et après elle a complètement disparu, donc ça je trouve ça un peu dommage que ce soit elle qui soit mise en avant pour la promotion. Et donc Encore ou Sous les Feux de la Rampe en français, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une émission qui à chaque fois nous fait suivre d'anciens lycéens devenus adultes qui ont joué une comédie musicale dans leur enfance. Ça peut être du Disney mais pas que, il y a notamment Grease, etc. Et donc du coup pendant, je pense que ça doit être à peu près une semaine, ils sont suivis par des professionnels du monde du spectacle qui les coachent en fait à fond pour reprendre leur rôle ou pour en faire d'autres. On suit un petit peu leurs histoires, leurs évolutions depuis qu'ils sont devenus adultes et à la fin on découvre la représentation finale. Et moi j'ai trouvé ça trop mignon. Alors pour être très honnête avec vous, j'ai essayé de regarder du Disney et du pas Disney. J'avais commencé par La Belle et la Bête et j'avais beaucoup aimé, et après je me suis dit oh bah tiens je vais essayer de faire Grease, de regarder Grease, et j'ai pas du tout accroché. Pourtant je connais la comédie musicale de Grease mais j'ai été moyennement emballée, mais si vous aimez les comédies musicales dans leur ensemble je pense que ça va vous plaire. Moi mon épisode préféré du coup ça a été celui de High School Musical, déjà parce que j'avais jamais vu ça à l'écran, je trouve que c'était très pertinent et j'aimais bien la dynamique qu'il y avait entre les personnages, entre les... du coup les anciens lycéens, en sachant qu'il y avait une histoire un peu particulière autour de celle qui jouait, qui devait jouer Gabriella Solis. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder, mais franchement c'est un bon outsider et c'est très sympa, on passe un chouette moment. Alors là on entre dans le sujet qui fâche, j'ai également essayé de regarder Mandalorian. Comme vous le savez certainement, j'ai commencé à me mettre assez récemment au Star Wars. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo tag sur ma chaîne et donc du coup je me suis dit oh bah tiens je vais tester Mandalorian. Surtout qu'il y avait eu un énorme buzz autour de Baby Yoda, etc. Et j'ai pas du tout accroché. Alors c'est très spécial comme série. Ça reprend pas des personnages qu'on connaît déjà. C'est l'histoire d'un Mandalorien qui est chasseur de primes donc, et qui en fait au cours de l'une de ses missions on va se retrouver face à Baby Yoda. Et ensuite et bah, disons que l'intrigue va un peu changer. J'ai pas du tout accroché parce qu'il y a peu de dialogue, il y a peu d'intrigue, et en fait moi le problème que j'ai c'est que si je ne m'attache pas au personnage principal je peux pas regarder un truc, et là je suis restée complètement de marbre. C'est dommage parce que ça pouvait être intéressant mais j'ai trouvé ça assez prévisible, le rythme était étrange, on avait du mal à comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'on aurait dû persévérer parce que du coup on en a regardé 3 sur 6 et aller plus loin dans la série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me la recommandez, mais moi ça m'a pas intéressé plus que ça, j'avoue. Disney+, c'est aussi l'occasion de découvrir des courts-métrages, je vous en ai déjà présenté plein dans des précédentes vidéos. Mais là je suis tombée sur un court-métrage que j'avais jamais vu qui s'appelle Super Rino et qui est donc un court-métrage issu de l'univers de Volt où on voit l'espèce de hamster. Je suis désolée, je suis pas du tout à jour dans l'univers de Volt, qui se prend à son tour pour un super-héros, sauf que en fait, en voyant le court-métrage, j'avais tout de suite compris de quoi il était question, j'ai tout de suite trouvé ça très too much et j'ai pas vu de réel intérêt à ce court métrage. Il m'a laissé complètement de glace, je l'ai trouvé nul, mais nul. Donc je sais pas si je suis la seule à penser ça, peut-être que je suis passée à côté du génie du truc mais j'ai pas du tout accroché. Alors ça, c'est encore en cours de visionnage au moment où je vous en parle, mais j'ai redécouvert Phineas et Ferb. Pour ceux qui le savent, j'aime beaucoup Disney Channel de façon globale. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur mes séries animées préférées. Et Phineas et Ferb, ça... c'est vraiment un must, j'ai tous les DVD, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais découvrir tous les épisodes dans l'ordre. Parce que c'est vrai qu'il y en a énormément qui passent à la télé. Et généralement, je les ai jamais vus dans l'ordre. Donc j'ai voulu tester. Le premier épisode est assez bizarre. Parce qu'on nous pose les bases de l'intrigue comme si on avait déjà tout vu. Alors qu'il y a un épisode un peu plus loin qui colle beaucoup mieux à ça. Il y a quelques petites incohérences entre les épisodes. Par exemple, on a l'impression que Candice découvre à chaque fois la sœur de Jérémy. Alors qu'elle l'a déjà vue dans des épisodes précédents. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même quelques petites références à la pop culture. Il y a aussi des blagues qui, je pense, ont plus de mal à passer en français parce qu'on a une traduction qui est complètement différente, qui font des références en fait entre les épisodes, notamment les chansons qui sont créées, des trucs entre Candice et Vanessa, et surtout, si vous ne suivez pas sur Instagram, vous êtes peut-être pas au courant, mais mon chéri a découvert que Phineas et Ferb n'étaient pas frères, même pas demi-frères, mais c'était une famille recomposée. Et en fait, j'étais complètement choquée parce que je m'en étais jamais aperçue. Et en fait, je me rends compte que c'est suggéré en fait. C'est suggéré dans l'intrigue. Il y a quelques petits indices, si on y fait attention, qui nous le montrent. Notamment dans l'épisode 25 de la saison 1. Nous, on est toujours sur la saison 1, on est en train de découvrir la fin de la saison 1 et ensuite on enchaînera sur la saison 2. On se fait un épisode tous les midis en fait. Donc on découvre vraiment au fur et à mesure. Mais au final, je suis assez agréablement surprise et je m'attache encore plus au personnage. Donc si jamais vous aimez l'univers de Phineas et Ferb, je vous conseille de vous refaire l'intégralité dans le bon ordre. C'est plutôt sympa, il y a des petits clins d'œil par-ci par-là. Autre court-métrage que j'ai redécouvert pour le coup, c'est La Légende Mordu, du court-métrage Rebelle. Je vous avoue qu'il n'est pas si facile que ça à trouver sur YouTube, donc j'ai dû le voir je crois une fois. Et en fait j'ai trouvé assez sympa dans le sens où il y a une mise en scène qui est jolie, il est mystérieux. Après... je suis pas sûre qu'on en apprenne beaucoup plus. En fait, la légende de Mordu, c'est l'ours que l'on voit dans le film principal. On découvre en fait ce qu'il y a derrière. Parce que comme la mère de Mérida, et c'est pas un ours de base. L'histoire est assez sombre, assez dark, assez osée pour du Disney, mais... plutôt pas mal. Donc là encore un court métrage que je vous recommande. Et pour terminer avec les courts métrages, j'ai regardé le court métrage des Simpsons qui était diffusé du coup en première partie de En Avant, qu'on n'avait pas eu en France, et qui s'appelle Maggie, rendez-vous avec le destin. C'est un court métrage qui est assez mignon, qui est sans parole, donc au final on n'est pas trop perturbé par le fait de ne pas avoir de VF pour ce court métrage. Et en fait ça nous raconte l'histoire tout simplement de Maggie qui croise un petit bébé qu'elle trouve très mignon au parc pour enfants et qui va chercher à tout prix à le retrouver. Court métrage assez mignon, blagues qui sont à mon sens un peu disneyisées, c'est là qu'on sent que Disney passe par là pour les Simpsons. C'est sympa, après est-ce que c'est transcendant, est-ce qu'on retrouve le côté assez piquant des Simpsons, je suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis très curieuse de savoir. Ok, on continue avec la découverte que j'ai faite très récemment. Il y a Coco, les coulisses de la musique qui est sorti sur Disney+. C'est en fait un concert en hommage à Coco mais également à la culture mexicaine qui était présentée par Eva Longoria et Benjamin Bratt si ma mémoire est bonne. Et en fait c'est un concert qui avait été fait l'année dernière au Hollywood Bowl que je rêvais d'aller voir mais vraiment. Et le découvrir en live, ça a été quelque chose. Alors il y a des musiques de Coco, mais pas que. Il y a ce que je suppose être des stars de la musique latine. Personnellement, je ne connais pas du tout cet univers, donc j'ai découvert pas mal de petits visages. Mais ce qui m'a impressionnée notamment, c'est que il y avait des interventions de Leon Rick et des personnes qui ont bossé sur Coco. On avait des petites explications sur le jour des morts, des extraits du film. Et les danseuses, moi, m'ont beaucoup impressionnée, les costumes étaient magnifiques. Donc toutes les musiques sont en espagnol, ça donne encore plus de profondeur à l'univers de Coco à mon sens. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'avais jamais vu l'interprète de Mama Imelda chanter sur scène. Et alors déjà qu'elle a une voix de fou, mais je trouve qu'elle incarne le personnage et c'est vraiment une performance à elle toute seule. Et puisqu'on parle du coup de ciné-concert, on va dire ça comme ça, parce que... Coco c'est vraiment un truc à part. J'ai également regardé celui sur The Little Mermaid, j'en avais entendu énormément de mal, notamment sur Twitter. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais regardé La Petite Sirène quelques jours avant, donc du coup pas la redécouverte, mais j'ai trouvé ça très sympa de redécouvrir le film mais en VO. En très gros vous avez le film en VO qui est projeté et pour les parties musicales vous avez la scène qui est jouée sur scène. J'ai beaucoup aimé le casting, alors par contre la tenue de Shaggy, Sébastien m'a fait crever de rire. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Ursula que j'ai trouvé géniale dans son rôle. C'est un live qui était avec des stars, donc notamment Oli Cravallo qui joue le rôle de Vaiana dans la version originale et Shaggy. Voilà. Mais ouais, c'était assez impressionnant à voir. J'ai beaucoup aimé les mises en scène, les costumes. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu certains moments qui étaient joués par les chanteurs sur scène. Je pense qu'il y avait moyen d'en rajouter un petit peu. Et ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'il y avait des chansons supplémentaires. Alors, à se renseigner, est-ce que c'est des chansons qui ont été créées pour ça? Est-ce que c'est des chansons qui existent dans la comédie musicale? Et je pense que c'est le cas. Mais du coup, ça renforçait la relation amoureuse entre Ariel et Eric. Et moi, ce genre d'initiative, j'adore. Donc là encore, je vous le conseille. Peut-être pas pour découvrir la première fois La Petite Sirène, mais c'est sympa en complément. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que les critiques étaient aussi violentes. Est-ce que c'est parce que les gens s'attendaient à un film qui était un peu plus puissant ou un truc plus... je sais pas trop. Mais j'ai beaucoup aimé et ça m'a aussi permis de découvrir que Louis, que nous on a en France avec un accent italien, est en fait un français. Est-ce que ça me surprend? Absolument pas en vrai. Et je termine avec ma dernière petite découverte que moi je trouve ça génial. Alors c'est Disney Insider, je suis tombée dessus un peu par hasard sur la plateforme. C'est un format qui sort toutes les semaines du coup. Et en fait, ça vous recense toutes les nouveautés en fait, de l'univers Disney, principalement des sorties cinéma, mais je pense avoir le générique qui aura également des sorties parc. Et donc ça revient à chaque fois sur 3 événements où on vous emmène dans les coulisses. Donc vous pouvez découvrir notamment le tour des studios Pixar pour En Avant, ce qui était trop bien. Un aperçu aussi de Mulan, mais c'est des univers qui sont très riches. Et ce que j'ai adoré, c'est voir les coulisses des Walt Disney Archives. Ça, c'est ma passion dans la vie. Donc j'étais trop heureuse et j'ai vraiment hâte de voir sur quoi porteront les prochains numéros. Voilà ma Pixie Army pour ce recensement de ce que j'ai vu en dernier sur Disney+. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes abonné, ce que vous pensez de la plateforme, ce que vous avez déjà regardé et ce qui est sur votre watchlist. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus et je suis déjà accro à la plateforme. Mais ça, vous le saviez déjà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, ce que je voulais faire, c'était vous parler de Fantasia. Puisque j'ai découvert ça assez récemment, c'est vrai que je n'avais jamais vu les films Fantasia et j'ai un gros coup de cœur sur l'original. Je suis un peu moins attachée à Fantasia 2000, mais je trouve que c'est vraiment magnifique et poétique et beau. Et si je peux vous faire une petite recommandation supplémentaire, à chaque fois vous avez des bonus potentiellement en fonction des films. Et là, pour ce qui est de Fantasia, vous avez un bonus qui s'appelle Musicana, qui vous raconte un petit peu le Fantasia qui n'a jamais vu le jour. Et j'ai trouvé ça passionnant, c'est bourré de concept art et tout. Vraiment une pépite. Allez-y la Pixie Army, faites-moi confiance. Bisous et bon visionnage.